Ce serait mon rêve de te rencontrer. Allez. Merci, c'est trop mignon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de filmer. Aujourd'hui, je vais remercier ma team Snapchat qui est très présente en ce moment. Et donc je suis grave contente de faire cette vidéo. Parce qu'en fait, faut savoir qu'en un mois, les vues de mes snaps et les gens qui m'ont ajouté, ça a doublé en fait fois 10. Donc je trouve ça juste dingue. Et pour moi, c'est... Waouh! Du coup voilà, je voulais vous remercier parce que c'est trop trop bien. Et comme vous l'avez énormément demandé, je vous fais une FAQ Snapchat. Donc je suis grave contente. Donc là je vous ai demandé de m'envoyer des vidéos Snapchat avec vos questions il y a à peu près une heure. Et j'ai reçu déjà une centaine de snaps. Vous êtes malade. Donc je vais répondre à vos questions en direct en espérant qu'il y en ait des un peu originales et tout. Et voilà, donc c'est parti. C'est chiant, mon dieu. Je vais mourir là pendant cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, si vous ne me suivez pas sur Snapchat, je vous invite à le faire parce que je mets des stories pratiquement tous les jours et voilà, ça fait très très plaisir en ce moment, vous faites que de vous m'envoyer des messages et je trouve ça vraiment incroyable ce qui est arrivé en un mois, j'ai carrément augmenté mes abonnés sur Snapchat aussi, enfin je trouve ça vraiment hyper sympa et comme je le dis pas assez souvent, voilà, je voulais vous dire merci dans cette vidéo, voilà. Et je vais ouvrir mes snaps, donc là pour que vous voyez un peu, voilà, hein, c'est juste dingue, enfin je comprends pas là, vous m'en avez envoyé combien, c'est trop bien, je suis grave contente, merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos et j'adore tes vidéos. Alors, merci pour ton message, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de mes vidéos? Je crois que j'avais déjà répondu à cette question dans mon ancienne Ask Snap. Tout simplement, j'avais envie de partager quelque chose un peu, j'étais hyper timide à ce moment-là et c'est vrai que ça m'a bien ouverte d'ailleurs, mais j'avais envie de donner des conseils comme ça, make-up et tout, surtout qu'à ce moment-là je ne m'y connaissais pas beaucoup et au final ça m'a bien aidée et voilà, j'ai envie de faire un projet comme ça et au final c'est vrai que ça remplit pas mal ma vie. Alors on continue. Ouh, il y en a plein. La FAQ, je voulais savoir quelle est ta chanson préférée et voilà, je te fais de gros bisous et je t'adore. Ma chanson préférée, du moment, c'est Greedy de Ariana Grande. Greedy! You know that I'm greedy for love. You know that I'm greedy for love. Cause I'm so greedy. Bref, on a compris. On continue. Hey Cocolineur, donc pour ta FAQ, est-ce que tu as des projets fixes pour plus tard? Est-ce que tu vas continuer les vidéos à 50 ans? Bisous. Alors, merci pour ton message. Est-ce que j'ai des projets fixes pour plus tard? Pas tellement. Voilà. Je sais pas si tu peux parler en rapport avec ma chaîne YouTube ou pas. On va dire que j'aurai des projets, je pense, au fur et à mesure de ma vie. Mais si c'est pour mon métier, des choses comme ça, je sais vraiment pas encore. Je sais que je veux travailler dans l'audiovisuel et des trucs en rapport avec YouTube parce que c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Mais sinon, j'ai pas de projet fixe. Et si je veux continuer ma chaîne à 50 ans, ça, je sais pas encore. Pourquoi pas, écoute. Mais bon, je pense qu'à un moment, ça finira bien par s'arrêter. Mais c'est pas pour tout de suite. Alors moi la question c'est comment t'as trouvé ton nom Cocoliner, qu'est-ce qui signifie, voilà, pourquoi t'as choisi ce nom? Bisous, j'adore tes vidéos. Alors, pourquoi Cocoliner? Alors oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce que du coup ça fait longtemps qu'on l'a pas demandé. Alors à la base c'est parce que je voulais mettre Coco dans le pseudo et parce que liner ça fait un petit jeu de mots, eyeliner, Coco, Cocoliner. Au final c'est devenu un pseudo qui m'est familier et je le prononce comme ça sans vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire à la base. Mais oui, à la base c'était censé être un petit jeu de mots. Voilà. Alors, on continue. T'habites où? J'habite où? J'habite à Lyon. Voilà. Salut, c'est pour savoir si tu fais du sport, si oui, lesquels, et quels ont été les meilleurs moments de ta vie? Ta première question c'était est-ce que je fais du sport? Alors je vous ai pas menti dans ma dernière vidéo, du coup qui est celle bien avant sur le sport avant l'été, je vous ai pas menti quand je vous disais que j'en fais, en tout cas je fais les exercices que je vous ai montrés. Après je suis pas une grande sportive de base, j'ai fait pas mal de modern jazz et d'ailleurs je vais en recommencer l'année prochaine, donc voilà, c'est ce sport là que je vais faire. Mais sinon voilà, je fais du sport comme ça chez moi tout seul ou sinon je fais du vélo, voilà et tout. Mais voilà, sinon j'ai pas de sport particulier cette année, mais l'année prochaine je vais reprendre le modern jazz, voilà. Sinon la deuxième question, les meilleurs moments de ta vie, c'est trop mignon cette question, je pense que c'est quand mes frères et sœurs sont nés, voilà. J'ai pas de moment particulier comme ça qui me vient à l'idée, mais j'en ai eu, ça c'est sûr. Je voudrais savoir quel est ton filtre Snapchat préféré. Moi c'est celui-là, et toi? Mon filtre Snapchat préféré, la question genre bien... Je vais faire une photo. La tête, on s'en fiche. Bref, j'aime bien lui, celui que personne n'aime, je crois. En tout cas, toutes mes potes aiment. Mais qu'est-ce que c'est? Celui qui est en orange un peu, je l'aime bien moi. Mais sinon, en filtre, genre
filtre nouveau Snapchat. J'aime bien... Attends, détecte ma tête. J'aime bien la couronne. Ça, je la mets souvent. Mais sinon, celui avec lequel je vous harcèle tous les jours, c'est le chien. Alors... Salut, avec quoi tu tournes tes vidéos? Salut, alors avec quoi je tourne mes vidéos? Avec ça. C'est ma caméra, donc c'est EOS 700D, voilà. Et sinon mon montage, mon logiciel, c'est iMovie, voilà. Est-ce que quand t'étais petite tu faisais de la gymnastique? Bisous, bonne vidéo. Merci. Non, je n'ai jamais fait de gym. Comme je disais, j'ai fait de la danse classique 5 ans, enfin ça je l'ai pas dit. Et sinon j'ai fait du modern jazz 3 ans à peu près. Et je vais refaire, mais non, la gym jamais. Je suis pas hyper souple. Voilà. On continue. C'est une question pour ton FAQ. Quel âge est-ce que tu as? Voilà, bisous. Alors cette question, vous me l'avez posée genre 20 000 fois. Quel âge j'ai? J'ai 15 ans. Et à ce qui paraît, je ne pensais vraiment pas, mais à ce qui paraît, je fais 17 ou 18 ans. En tout cas, c'est ce que vous m'avez dit. Moi, je trouve pas. Je suis hyper petite en tout cas. Peut-être que face à la caméra, je fais plus grande. Mais en tout cas, sachez que si vous me voyez, je suis toute petite. Donc bon. Et je passe en première. Voilà. Salut, donc je m'appelle Emma et je voulais savoir quelle était ta matière préférée au collège. Voilà, bisous. Il faut que tu continues tes vidéos et en plus t'es trop belle, bye. Merci beaucoup ma belle, c'est hyper gentil. Alors ma matière préférée à l'école, je dirais que c'est, je pense, l'histoire, quelque chose comme ça parce que j'aime bien. L'anglais sinon j'aime bien. Ah ouais, l'anglais c'est cool, la fille qui découvre tu sais. Coucou, j'aurais une question pour toi. Tout d'abord je t'adore et tout. Ma question serait de savoir, est-ce que tu as des frères ou des sœurs? Bisous. Et j'ai une question pour toi, est-ce que tu as un mec? Voilà, bisous. Alors oui, j'ai des frères et sœurs, donc j'ai deux sœurs et un frère, donc une grande sœur et deux petits frères et petites sœurs, que vous avez peut-être pu voir dans mes snaps ou dans mes vidéos, voilà. Et sinon, est-ce que j'ai un mec? Je crois que c'est ça que tu m'as demandé. Non, voilà, ça aussi vous m'avez pas mal demandé. Coucou, est-ce que j'ai une petite question, est-ce que tu as des animaux de compagnie? Et si tu en as, est-ce que tu pourrais nous les montrer s'il te plaît? Évidemment, j'ai Coco qui est la base de ma chaîne, la petite star. Mais c'est vrai que je le montre plus maintenant. Mais pff, là j'ai la flemme d'y aller. Mais je vous mets une photo juste là pour que vous voyez sa petite tête de flemmard. Voilà, Coco. Tu savais que t'étais moche? Petite question FAQ. Merci les filles, ça c'est mes potes qui m'envoient un message, ça fait toujours plaisir de trouver du réconfort vers ses amis. Bisous. Quel est ton sport et ton magasin préféré? Alors mon sport préféré, bisous t'es la meilleure, merci d'ailleurs, c'est gentil. Alors mon sport préféré, je pense que c'est le modern jazz, enfin c'est la danse tout simplement. J'aime bien le ski, ça va, je me suis réconciliée avec le ski. Et ouais c'est à peu près tout. Et mon magasin préféré c'est Brandy Melville, je pense. En ce moment je suis vraiment Brandy Melville addict, je n'achète que là-bas. C'est très bizarre. Sinon j'aime bien les magasins de base genre Pimki, H&M et tout machin. J'aime bien aussi Urban Outfitters forcément. Et Pull&Bear, je sais pas comment on dit. Et voilà. Mais sinon mon magasin préféré je pense que c'est Brandy Maville. Oh, il y a ma copine qui m'a envoyé un snap, Lina. Salut petite Jeannette, j'espère que tu vas bien et tu manques beaucoup beaucoup. Et ma question c'est, quel est ton meilleur souvenir de cette année? Je te fais de gros bisous. Merci Lina, toi aussi tu me manques trop. Mon meilleur souvenir cette année, je ne sais pas. Moi cette année elle était vraiment cool, franchement j'ai trop bien aimé. C'était grave bien, je me suis fait pas mal de potes dont toi. Je sais pas, j'ai pas un jour comme ça. Mais j'ai passé plein de bons souvenirs et je me suis fait plein d'amis. L'école s'est bien passée, enfin c'était vachement cool et voilà. Cette année était vachement cool pour moi, en tout cas j'ai bien aimé. Mais merci pour ta question Lina, je te fais plein de bisous. Salut Cocolina, voilà, alors j'ai une question pour ta FAQ. Est-ce que tu allais organiser des rencontres avec tes abonnés? Organiser, voilà, j'adore tes vidéos. Non, j'ai déjà répondu à cette question et ça me touche que vous me la posiez autant parce que franchement pour moi c'est pas encore ça, enfin je sais pas, je me trouve encore toute petite et tout, enfin je sais pas. Mais ouais, non, franchement ça serait un rêve, c'est sûr, de faire des rencontres, c'est vraiment quelque chose qui est hyper bien quoi. Donc ouais, c'est sûr que ça m'y fait penser et ça serait cool. Je vais m'arrêter là pour le moment. Si vous voulez que je vous refasse une FAQ Snapchat, dites-le moi en commentaire et on en refera très bientôt parce que c'était vraiment pour vous remercier cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir envoyé plein de snaps, c'était hyper bien, j'ai eu quelques questions assez sympas, donc voilà, je vous fais vraiment plein de bisous. Je vous invite à aimer la vidéo, à commenter et même à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous.